Sumbu de Pakao, dans la commune de Oudoukar, porte l'empreinte des pluies qui se sont abattues dans la journée du 5 au 6. Bilan, un mort, un blessé, plusieurs maisons effondrées. Voici Sekou Camara qui revient sur ce film triste. C'est en ce moment-là que l'accident s'est déroulé. Quoi. Les enfants étaient où? Les enfants étaient sous le véranda. C'est le mur qui était tombé sur lui. Le mur s'est écroulé lorsque la papa était dans la chambre. Mm-hmm. Bon, certains ont pris la fuite. Il y avait deux gosses qui sont restés là-bas. L'un est décédé sur l'eau. Il a combien d'années? Il a 2 ans. Mm-hmm. Et l'autre là s'est blessé gravement. On lui a hospitalisé hier avant que les sapeurs-pompiers ne soient ici. Mmh. Il a quel âge le deuxième? Environ 18 ans. Il a environ 18 ans, oui. Mmh. Ok. Est-ce que c'est... Ceci ne ces populations rappellent les moments durs. Okay. Vraiment, nous demandons aux autorités, nous demandons une aide. Vraiment, la population est fatiguée. Les chambres sont vraiment... vraiment délaborées. Mmh. Toutes les maisons sont vraiment inutiles. Nous sommes inquiets vraiment. À dire vrai, ce village a perdu sa quiétude habituelle par cette triste nouvelle qui emporta un gamin de 2 ans. Ces populations tentent autour des moyens du bord de reprendre la vie. Sidiou, Wal Fadjir Radio TV, Lamine.